Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Summon Session, les amis. Alors déjà, j'avais pas encore invoqué sur la collab, donc c'est peut-être le moment de le faire. Et en plus de ça, j'ai beaucoup, beaucoup de vélins. J'ai 251 vélins mystiques, 25 vents, 25 eaux, 24 feux, 16 légendaires, un légendaire vent, un légendaire eau, un légendaire feu, un transcendance et un dark and light. On ouvre tout, clairement je craque, j'arrive pas à tenir et du coup on attaque par le transcendant. J'ai oublié de mettre le son du jeu, c'est pas grave. Allez, un petit transcendance les gars, ça part de là, let's go. Alors c'est ou un altar ou un truc de fou là, un gros dark and light de ses mains. Ressentez le froid glacial, c'est quoi? Oh, pom pom pom, ça part de là, un petit Tahor, je l'avais pas, voilà. Voilà, voilà, voilà ce qu'on veut. On veut voir des choses comme ça. Alors moi, ce monstre, j'ai le Dark, j'ai Zeratu, et maintenant j'ai aussi celui-là. Je pense que je vais faire une petite team Zeratu Tahor. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Et on va se régaler, se taper par terre. Ok, donc ça, déjà, c'est fait. Ensuite, on a des légendaires. On va commencer par ceux-là. On va voir un peu ce que ça dit. Tac, du violet, non, c'est un 4, c'est l'Amazon, ok, je l'ai déjà, un petit violet, ah, je l'ai déjà, ok, retour, on va faire un truc qui me perturbe beaucoup, parce que moi, en fait, j'ai l'habitude de jouer sans son, mais pour les vidéos, on met un peu de son, tac, ouf, 20 dieux de bon dieu, voilà, ça fait plaisir, allez hop, on continue la suite, du coup, on part sur le légendaire, oh. Allez, un petit 5 nat. On a déjà eu Tahor. Déjà, c'est rentable. Déjà, à la base, c'est rentable. Qui est un penguin. Un petit légendaire vent. Un petit argent, il est dans l'altar. Non, parce que là, on proc l'altar, hein, je crois. Hein. On proc totalement. Ah non, on proc pas l'altar, là, d'accord. Là, par contre, oui. Ok, on passe au légendaire. Let's go, les amis. Let's go, on veut du violet à fond les ballons, une chimère light, tout ça quoi. Ok, un homme lézard, oh c'est du acquis. Next. Allez, fais péter du violet. Une cowgirl, ok. Transcendance dans 20 vélins, je crois. Allez, un petit violet, ok, c'est du 4 nat, la liche feu, c'est acquis, tout ça. C'est acquis. Allez, fais-nous rêver, Lolo. C'est du 4 nat. De ses morts. Allez, 15 légendaires. Oh, il y a bien moyen d'avoir un petit 5 nat quand même. J'ai l'altar. Oh, mon dieu de bon dieu. J'ai l'altar en plus. Fais péter argent, histoire qu'il passe un petit éveil là. Ah, Juno, let's go. C'est l'altar qui proc, les amis. C'est l'altar. Alors, Juno, je l'ai monté pour le PVP. C'est une régalade totale. Ça fait vraiment plaisir. Allez, il me reste 2 5 nat du coup dans cet altar. Il me reste argent et Lupinus, je crois que j'ai mis. Lupinus que j'utilise pas mal en PVP en ce moment, qui est très sympa. Qui est très très sympa et surtout qui se fait pas autoban comme Zeratu, quoi. Allez, hop. Allez, ok. Un petit 4 nat, c'est la liche haut. Encore une fois, décidément, celle-là, elle nous lâche pas. J'espère que je vais arriver à claquer un petit altar argent quand même. Hein. C'est assez piquant, c'est du acquis. On passe. Allez. Du violet, un 4 nat. Putain, mais les liches quoi. Mais qu'est-ce qui se passe. Surtout que dans l'altar, j'ai mis la dark. Hein. J'ai la liche dark, moi. J'ai mis la dark, je les ai toutes sauf elle, quoi. Ça, c'est de l'altar, je crois. C'est totalement de l'altar. Ah non, c'est pas de l'altar. Non, je l'avais fini, elle. C'est même pas de l'altar, d'ailleurs. C'est du violet, ça. Ça se sent. Pas du tout. Inferno. Ok, on passe. Allez. Oh, mon dieu, il suffit de le chauffer un peu et ça part de là. I'm not interested in weaklings. Eh ben voilà. Voilà. Quand on le demande, il est jamais bien loin. Bénédiction réussie, les gars. Let's go. Il me reste un 5 nat, du coup. C'est Lupinus. Allez. Merde, pourquoi j'ai fait F? J'y entre. Ok, let's go. Et c'est du 4 nat, on passe. Je sais pas combien il m'en reste, j'ai pas regardé. Allez. Lupinus, et on en parle plus, un shot. Oh, enfin, Dieu, arrête.
challenge, trust me. Mais let's go, les gars! Mais let's go, en fait! Attends, mais qu'est-ce que je fais? En vrai, qu'est-ce que je fais? J'ai eu mes 3-5 nats. Je reset, hein? Je reset totalement, on va pas se mentir. Je reset. Je reset totalement, j'ai eu mes 3-5 nats, je reset, je suis obligé. Hop. Alors Lupinus. Est-ce qu'on la monte plus, Lupinus? Parce qu'après en PVP, je pourrais proposer quoi en termes de DPS? Ouais, en vrai on peut, hein, parce que j'ai pas grand chose hein, en DPS, en PVP. Hein. J'ai pas grand chose. Argent, on va continuer. Ensuite, sur du 4, on va mettre la Liche d'Arc, ça c'est sûr. Toi, on peut te mettre. Toi aussi. En light, on va mettre lui. On va mettre lui. Qu'est-ce que j'ai après? Je sais pas si j'ai grand-chose en 4 hein, d'intéressant. Oh, on va rester comme ça. Il y a des trous, on s'en fout. Hein. Si on veut du 5. Ah ben, j'ai plus d'invoque légendaire. Parfait. Ok, invocation de feu, x10. Let's go, les gars. Si j'ai Juno direct, je suis mort de rire. Ah non. Absolument que dalle. Ok. Allez. Ah là 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 là. Rien de spécial. Ok, il me reste 4. Ouais. Les fois une, je les passe parce que... Il n'y a jamais des trucs fous là-dedans. Ok. Invocation d'eau. Ok, pas de 5 nats. Pas de 4 nats non plus. Allez. Faut que ça proc. C'était pas prévu que j'invoque là. Ok, j'ai tout. Il me reste 5 pour avoir un légendaire. Je sais pas si je les ai, je crois que j'en ai 4, non? Allez, Cerber, Yeti. Ah, je l'ai finalement. J'ai un légendaire. Ok, allez hop. Petit légendaire, touk. Allez, fais-moi rêver. Donne tout. Putain, mais c'est liche, mais c'est l'enfer! Oh, le nombre de liches, quoi! Allez, on passe sur le vent. Ok, il y avait un 4 nat, sorcière mystique. Why not? Ok. Ouais, 5 du coup. Ouais. Serpent, golem. Que du food. Ok. On est pas mal. Il reste un petit Dark and Light. Un petit Dark and Light gratos comme ça, je sais pas d'où il sort mais je l'ai. Oh ! Ah putain j'y ai cru. Oh j'y ai cru pendant un instant là. La lutte hein, je l'ai déjà. Ok, il me reste du coup 251 mystiques et les vélins de la collab. On va tirer sur Garo les amis, j'aime bien Genos mais Garo c'est plus PVP et on est dans un jeu PVP. On va aller chercher Garo. Ok, rien de spécial à part un petit 4 nat loup-garou. Sans plus, allez, donne-le. Toujours pas, non, que du flambi. Donne-le, je te dis. Donne-le, qu'on n'en parle plus. Aïe. Allez, je crois que c'est la dernière multi. Ah là là, j'ai rien, que de la merde. Ok, il en reste 4, on va les faire un par un, tranquille Wilux. Hop. Parce qu'en plus, sur ce qui est intéressant, c'est que... Attends, bah décidément, Naomi, aujourd'hui, je l'avais en altar, je sais pas combien de temps, je l'avais jamais. Ce qui est intéressant, c'est que même si tu poules sur celui-là, tu peux avoir ceux des autres, en fait. Et ça, c'est pas mal. Alors, pourquoi j'ai pas poule sur Brandia? Parce que je l'ai déjà. Sinon, c'est un bon monstre, mais après, quand t'as argent, c'est pas indispensable. Allez, on va faire proc cet altar, les gars. On fait proc cet altar. On ouvre tout, on a dit. Ok, rien là-dessus. Rien de spécial là-dessus. Allez. Ok. Ouh, 2 4 nattes. All vent. Et il est où l'autre? Ah, il est là. Ok, le Arguefeu. J'ai bientôt un légendaire par contre. Dans 30. Ça veut pas venir! Ouh là là, 3 4 nattes là. Et encore de la Naomi, mais c'est dingue. Pire que la liche quoi. Pire que les liches la Naomi aujourd'hui là.
Ok. Du loup-garou en 4. Oh, je sais pas si j'avais pas un légendaire là. Ok, allez, allez, allez. Ah, ça veut pas, hein. Putain, mais moi, les invoques normales, par contre, c'est assez impressionnant. Ça ne veut jamais. Hop, hop, un petit légendaire. Un petit légendaire. Un petit légendaire. Tout à l'heure, ça m'a sorti une Juno. Allez. Ah, pas du tout. Ah oui, d'accord. Burnall. Burnall. Ok, invoque x 10. Allez. Il nous en reste genre 100, 200 à peu près. Ok, c'est du food. On passe. Allez, donne quelque chose. Donne quelque chose de dingue. Putain, ça veut pas, hein. Ça veut plus, ça y est. On a eu de la chance, ça veut plus. On doit être à 40 vélins 105 nat, là. Si c'est pas plus. Genre un autre légendaire, par contre, pendant l'opening même 2, je pense. Allez, 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 allez. L'altar, 20 dieux de bon dieu. J'ai mis un altar. Allez. Ça veut pas, c'est fou, c'est fou. Donne-moi la force. Donne-moi la force, quoi. Hein, toujours pas. Ouais, 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 des 4 nattes, mais je les ai déjà. Pas très intéressant. Je veux vraiment que ça proc du violet. Et B. Ah, j'ai un petit lège, par contre. Tac. Petit légendaire. Allez, 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 allez. Allez, c'est maintenant. Allez, donne tout, donne tout, donne tout. Ah, t'as tout donné, mais c'est dégueulasse, hein. Il nous en reste 130. Putain, ça descend à une vitesse. Mais c'est fou. Putain, y'a rien qui tombe. Y'a rien qui tombe. Y'a rien qui tombe. Après, c'est pas joué, les gars. Tant qu'il y a des vélins. Oh, c'est parti. Let's go, let's go, let's go. Double 5 nat. Double 5 nat. Allez. Le double 5 nat. Putain, c'est énervé, ça, par contre. Je l'ai déjà. Ah non, nouveau monstre. Ah ouais, non, je l'ai pas. Non, c'est pas Ritage, Ritage, c'est le vent. Oh, Anavel. Mais let's go. Mais let's go, Anavel. Mais non. Eh, mais je suis en train de me gaver sur cette summon. Je suis en train de me gaver sur cette summon. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Kumar, ouais, Kumar. Expose l'énergie du feu pour infliger des dégâts proportionnels à sa def aux ennemis dans la zone. Applique silence et brûlure avec une chance fixe. Applique silence en supplément si la cible est sous l'effet brûlure. Oh ouais, moyen de faire des bons combos avec ça. Libère de l'énergie pour dissiper tous les effets néfastes sur la cible alliée et restaure les points de vie. Ok, intéressant. Ça dissipe les effets et ça heal sur la def. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ça m'intéresse beaucoup. Ok, Annabelle quoi. Annabelle monstrueux, quoi. AOE break def, ça heal, enfin le perso est juste insane. Ok, ben merci le jeu, merci le jeu. C'est pas fini mon gars, c'est pas fini. Ah, pas de back to back, pas de back to back, dommage. Allez, 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 allez. Moi l'altar ça sert à rien, j'ai un altar mais... non mais vraiment mon altar ne sert à que dalle. Je les ai jamais, c'est... Oh, 20 dieux de bon dieu. Il suffit de râler. Allez, 2 5 nat. 1 5 nat. On a, hein, on l'a connu meilleur. On l'a connu plus... plus sympa. Ok. Ouais. Incroyable, ours de guerre, monstrueux. Allez. Fais-moi rêver. Putain, c'est vraiment à la fin des fins. Ah, la fin des fins de, des fins des plantes à fin, là. Elle est nulle, mais... Allez, allez. Oh non, c'est pas un bomber, ça? Ah, c'est un jeu... Allez, file de là. Je l'ai eu 50 000 fois, ce truc. Un Lucien. Pas de back-to-back. Pas de back-to-back. Je sais pas combien il nous en reste. On va avoir un légendaire, par contre, après celui-ci. Ah, ça veut pas tomber. Ça va pas tomber. 61, il arrive. Mais ça va une vitesse, les gars. C'est fou. C'est fou. Allez. Allez. Un petit violet, un petit... Oh. Juno. Oh, la honte, Juno, quoi. La honte, Juno, quoi. C'est quoi, ça?
S'applique protection de l'âme et réanime un membre de l'équipe, immunité à cyber animé, tactueux ennemis dans la zone, appliquant la réduction de l'esquive et les aveugles avec une chance fixe. Ça me paraît léger. Ça me paraît un peu léger. Ok, bon, c'est des nouveaux monstres, hein. On va prendre du niveau de compte, ça c'est sûr. Mais ce qu'on veut, nous, c'est que ça proc un peu, tu vois. Un peu d'altar, quoi. Parce que bon, on a mis les monstres dedans, sur le nombre de 5 nets qu'on a eu, l'altar, il a proc 3 fois, quoi. C'est tout. Sur les 7 ou 8 qu'on a... Chut, chut. Quand tu râles, ça passe toujours. Faut râler, faut pas chercher à comprendre. Le Garuda ! Troisième peut-être ? Ah, dommage. dommage. Eh ben, oh là 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 là. Allez, ça se joue maintenant. J'en ai plus beaucoup, de toute façon, ça se joue maintenant. Enfin, presque maintenant. Est-ce quand tu veux ? Oh, mais si, il est là, le Garuda ! L'enfer. Vél纽尔 Mais comme je me gave. What the fuck. Mais c'est quoi cette summon de ouf. Oh là là. Emprunte le pouvoir de l'épée pour dissiper deux effets néfastes sur les alliés proches et applique l'immunité sur un membre d'équipe. Alors je suis juste un peu déçu parce que je veux Ariel, mais c'est quand même pas mal. Lâche l'épée du ciel pour infliger des dégâts proportionnels à sa def à la cible ennemie, dissipe un effet bénéfique sur la cible, applique une augmentation des dégâts reçus. Ok, on n'a pas de heal en fait. Putain, j'aimerais bien Ariel. Attends, c'est pas fini. Hein. On va peut-être l'avoir, tout est possible. Et par contre, l'altar, 40% de chance d'avoir un mob dans l'altar. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais on va pas se plaindre, on a des bons monstres. Allez, c'est pas fini. Ah. Allez. Lâche-le, cet Ariel, qu'on n'en parle plus là. Ok. Ah, c'est fini! Oh non! Ah, il m'en reste un! Ça se joue peut-être là-dessus? Ça se joue là-dessus! Ah! Ah, pas du tout. Pas du tout. Un serpent de merde. Eh ben, les amis, j'ai pas eu Garo. Mais par contre, c'est fou! Ce que j'ai eu. Je me suis littéralement gavé. Gavé! Taor, Kumar, Vélajuel, Anavel, c'est monstrueux. Plus les 3 de l'altar en tout, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 8. J'ai eu 8, 5 nats. Gavage total. Les amis, j'espère que cette petite summa nous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao.